Donc maintenant, le collectif C'est pour ça, on va appeler, donc un trio d'architectes lillois, composé de Nicolas Huette, Rémi Basson et Quentin Gérard, qui ont été réunis dans le cadre de World Zen Capital avec l'envie commune de faire varier le quotidien, de questionner une nouvelle échelle à travers un matériau patrimonial et durable, la brique. Donc voilà, c'est l'occasion de donner à la brique un nouvel angle de lecture et de fabriquer une proximité directe avec le public, un nouveau contact. Voilà, je laisse présenter. Donc, comme l'a dit Thomas, on est un collectif de trois architectes. On est lillois. On est un très jeune collectif parce que on s'est formé début 2019, hein, juste après l'annonce de Lille, capitale mondiale du design. Donc pour nous, cette mandature, c'était une occasion de faire quelque chose et de participer. En tout cas, c'était l'occasion de réfléchir ensemble à ces questions et sortir un peu des cadres professionnels habituels qu'on avait l'habitude de voir. Donc notre sujet, comme l'a dit Thomas, c'était la question de la brique et un peu changer le regard qu'on a aujourd'hui sur ce matériau, qui est aujourd'hui un matériau de construction, principalement utilisé pour faire des façades, du pavage, mais de moins en moins pour faire de la structure. Donc notre travail, c'était un peu d'explorer ce que la brique pouvait avoir de design et aller un peu plus. On a rencontré Gilles Bernard, qui est le directeur de la briqueterie du Nord et qui a permis de mettre de l'élan dans ce projet et aussi de bien définir le contour de ce qu'on voulait faire. C'était une rencontre assez déterminante et sans lui, on le remercie d'ailleurs, mais sans lui on n'aurait pas pu le faire. Ce qui nous intéressait dans la question de la brique, c'est surtout que c'est un matériau local. Toutes les briques qui sont fabriquées par la briqueterie du Nord, elles sont réalisées dans le périmètre de la métropole européenne de Lille. Donc ça, c'était super important pour nous. Ensuite, c'est un matériau qui est patrimonial, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est clairement un matériau qui définit l'identité de notre région et qu'on retrouve absolument partout. Donc voilà, on y est tous très attachés et on avait la volonté d'aller un peu plus loin qu'un simple matériau de façade. Et enfin, troisième élément déterminant, c'était son côté durable. C'est quelque chose qui arrive petit à petit sur le marché, mais c'était quelque chose qui prend de plus en plus de sens aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a souhaité en tout cas explorer le sujet. Donc lors de notre première visite à la briqueterie du Nord, il y a quelque chose qui nous a extrêmement marqué, c'est le vocabulaire esthétique de la brique à travers son stockage, son appareillage ou bien sa couleur. Et tout de suite, c'est quelque chose qui nous a donné envie de travailler une certaine forme d'échelle d'objet. Et c'est vraiment cette esthétique qui a créé ce vocabulaire. Donc dans la question de l'échelle, ce qui nous a attiré dans la brique, c'était qu'au-delà de son utilisation pour construire des bâtiments, c'est qu'elle avait une échelle très humaine dans sa manutention et dans ses dimensions, avec cette idée de vraiment pouvoir la manipuler à la main et donc avoir une forme de modularité, vraiment de liberté dans son utilisation. Donc c'est cette idée d'utilisation de la brique qui nous a, nous, intéressés. On avait cette envie de transcender un peu son utilisation première et d'explorer, avec justement des réflexions sur la manière de l'assembler, de la monter, et surtout un usage différent de cette brique. Donc voilà, donc dans cette idée de transgresser, de transcender un peu la brique et de l'explorer, on avait la question de rapprocher la brique justement du public, donc de remettre en lien et de changer un peu l'imaginaire collectif de ce matériau, avec l'idée justement de recréer une zone de contact avec ce matériau dans son utilisation, que ça soit à travers le sensible. Dans cette question de rapprocher le public, on s'est questionné sur la question d'habiter le matériau, comment on pouvait recréer justement ce lien à travers le contact, donc le toucher, le fait de s'asseoir, s'adosser et rechercher des nouvelles fonctions à ce matériau pour vraiment pouvoir l'interpréter et le réadapter. Dans cette question de réadaptation, ce qui nous a paru primordial, c'était justement le mobilier urbain, avec cette question de créer un objet généreux qui, dans son utilisation et dans son positionnement dans la ville, permettait de recréer justement cette question du lien et de re-questionner le matériau.
Donc on a vu que la brique, elle avait une échelle humaine, elle était facilement manipulable. On s'est posé la question pour, à l'échelle du mobilier, comment faire de même pour que finalement ils répondent à notre souhait qui était d'apporter du design dans la brique. Et donc c'est par son usage et par sa modularité que ça nous semblait être le moyen de travailler. Donc on a proposé dans notre installation 6 modules qui sont donc totalement indépendants, qui peuvent être utilisés les uns indépendamment des autres, mais qui prennent une richesse différente de par leur assemblage, que ce soit les uns derrière les autres, comme on peut le voir aujourd'hui devant le Saint-Sauveur, ou un peu plus positionnés en bloc d'une autre manière. Donc pour ce faire, on s'est donné des règles, et assez naturellement, donc dans une logique de manutention et pour se donner un gabarit, on a pensé à la palette, donc qui fait 80x120, et qui permet donc de donner une largeur, une longueur et une hauteur, forcément. Cette hauteur, elle est définie par un usage. Ça, cette hauteur, on a énormément réfléchi là-dessus, puisque ce qu'on souhaitait, c'est que le rapport de ce mobilier, pour qu'il fasse design, y ait la réflexion autour de l'ergonomie et du corps. Et donc, par son appareillage, qui n'est pas dans les traditions architecturales, structurelles qu'on peut voir un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est des briques qui sont posées sur le champ et qui sont maçonnées verticalement, qui permettent à chacun des modules d'être tenus par une même hauteur. Donc, ils ont tous une altimétrie similaire avec 8 superpositions de briques qui représentent à peu près la même dimension qu'une palette de briques classique. Et donc aujourd'hui, il y a des usages qui sont distincts pour chacun. Donc on a proposé de s'allonger, de s'adosser, de bavarder. Vous aurez l'occasion d'éventuellement vous poser sur ces différents modules. Et ce qui nous a plu, c'est que en repassant par hasard, donc l'idée de cette modularité, c'était finalement de créer dans cet habité une forme de spontanéité. Aujourd'hui, nous, on a prédéfini certains usages, mais ce qui est assez agréable quand on voit les enfants s'amuser, c'est que finalement ils ont l'habitude d'investir les lieux de manière assez spontanée et étonnante, et que ça nous a confirmé que ce mobilier avait un usage et une spontanéité intéressante. Merci.